願い叶って。もし一枚だけ君からもらえるそのバブルガム。気づかないうちに。Hey, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur mon île Felicity et ce sera un let's play déco. J'ai décidé de commencer la décoration de mon musée. J'ai pas mal avancé au niveau de la déco. J'ai aussi fait la décoration de la boutique Melly Mello. Je vous montrerai de toute façon dans une vidéo un petit peu le récapitulatif de tout ce que j'ai fait hors vidéo. Je vous montrerai aussi où j'en suis au niveau de mes habitants pour que vous sachiez un petit peu où on en est sur cette île-là. Mais en tout cas, j'ai pas mal avancé. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire le musée ensemble. On va faire la décoration du musée. J'ai bien aimé faire la décoration du port avec vous. Donc je me suis dit, pourquoi pas faire la déco du musée. Oh ma belle petite Olivia, mais qu'est-ce qu'elle a ? Oh, elle s'est chamaillée avec... comment il s'appelle lui ? Oh, avec Robert ! Oh mais non, regardez-moi cette tête ! Mais non, puis ça me suit et tout. Mais qu'est-ce qu'il y a, Olivia, alors? Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai posé le motif hors vidéo pour pas que ce soit saoulant pour vous à regarder. Je me suis dit que les motifs, vaut mieux que je les mette hors vidéo, comme ça, ça vous saoule pas de me voir en train de les poser. Et nous, ensemble, on va faire vraiment que la décoration. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai enlevé le motif pour mettre des arbres, parce que j'avais envie de mettre un arbre de chaque côté. Donc là, on va mettre un arbre de chaque côté. Et j'aimerais bien mettre au milieu, vous savez, l'espèce de pergola. Franchement, j'ai déjà une petite idée de ce que je veux. Donc voilà, en général, je sais ce que je veux. Et donc là, je sais exactement ce qu'on va faire au niveau de la déco. Donc c'est parti. Et j'ai eu une autre idée aussi sur mon île. Et je pense qu'on fera la vidéo ensemble. J'ai bien envie de faire un château. J'ai envie de faire un château sur mon île, un château style un peu château de Versailles à Paris, voilà. Donc je pense que cette petite décoration là, on la fera ensemble. Mais bon, déjà là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'occuper du musée. Comme vous avez pu l'apercevoir en arrière-plan, j'ai commencé aussi la décoration devant le musée. Et j'ai fait aussi la décoration devant la mairie. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de pas trop vous spoiler la déco aussi devant la mairie, parce que j'aimerais bien vous montrer tout ça dans une vidéo. Je pense que je vais faire vraiment une petite vidéo récap où je vous montre vraiment les avancées de mon île, les avancées au niveau de mes habitants, et comme ça on va faire un petit point ensemble et vous saurez un petit peu où j'en suis au niveau de cette île là. Autrement, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre en attendant que je fais la décoration devant le musée? J'ai eu aussi une autre idée, je pense que je vais raser mon île féerique. J'y pense de plus en plus, c'est vrai que ça fait deux fois que je la fais sur ce thème-là. Et je crois que le thème féerique, ça me lasse un petit peu, voilà, je suis un petit peu lassée. J'ai vraiment envie de repartir sur une île nouvelle. Donc ce qu'on va faire, c'est que j'aimerais bien que vous me mettiez dans les commentaires quel thème d'île vous plairait pour ma deuxième île. Parce que c'est vrai que j'ai totalement envie de la refaire, mais je n'ai pas encore d'idée du thème de l'île que je voudrais et qui me hyperait vraiment. Là, j'avoue que je prends vraiment énormément de plaisir à faire cette île-là sur le thème urbain. Je suis très très contente de l'avoir isette parce que franchement, je suis trop trop contente de la refaire sur un thème qui me plaît énormément. Et j'avoue que là, je l'ai commencé sur le thème féerique, on l'a commencé ensemble, à la décorer et tout. Et j'ai de moins en moins envie en fait d'aller sur cette île-là. Je pense que je suis arrivée un petit peu à bout de ce thème féerique. Donc j'aimerais vraiment repartir sur un nouveau thème, mais j'aimerais bien garder tous les habitants que j'ai. Car j'y suis profondément attachée et c'est vrai que j'ai pas la carte amiibo de tous les habitants que j'ai sur cette île-là. Donc ça m'embêterait vraiment de les faire partir. C'est des habitants qui sont plutôt dans les coloris blancs. J'ai Mathéo, j'ai Didi, j'ai Chino, j'ai mis Alix qui n'est pas blanc mais qui est quand même dans des teintes assez claires. J'ai Terra, qui j'ai encore sur cette île-là? J'avais Raymond, mais Raymond, je l'ai enlevé, je l'ai fait partir pour le mettre du coup sur mon île Felicity, parce que je l'ai chassé et j'arrivais pas du tout à le trouver. Donc je l'ai fait partir de mon île féerique pour la mettre sur mon île, du coup sur le thème urbain, et je trouve qu'il est beaucoup mieux sur Felicity.
Mais voilà, en tout cas, j'aimerais bien garder ces habitants-là, mais vraiment changer le thème de mon île. Donc si vous pourriez me mettre en commentaire quel thème d'île vous plairait de voir sur ma chaîne, n'hésitez surtout pas à me le dire, parce que je pense que je vais vraiment raser ma deuxième île. Je pense que je vais la raser, j'ai plus d'inspiration et je suis plus du tout hypé en fait d'aller sur cette île là. Je pense qu'il est temps pour moi sur cette île là de changer le thème et ça va être définitif parce que voilà, ça me plaît plus en fait, ça me plaît plus. Et quand je vois le plaisir que j'ai à décorer cette nouvelle île sur le thème urbain, j'ai vraiment envie de retrouver ça aussi sur mon île Choco. Et donc, je pense qu'une fois qu'on aura terminé Felicity, on va s'attaquer à mon île Choco. On va, pareil, je pense, changer le thème et ça va être super génial. J'ai trop trop hâte. Mais pour l'instant, j'ai envie de continuer cette île-là. J'ai envie de la décorer, de la terminer. J'ai tout plein d'idées. Ça fuse dans tous les sens. Il va falloir que je canalise un petit peu tout ça parce que j'ai trop d'idées. J'ai trop d'idées pour cette île-là. Je pense que vraiment la décoration de cette île-là va être incroyable. Je pense que je vais vous faire des let's play vraiment très très cool. D'ailleurs, si mes décorations sur mon île vous plaît, n'hésitez surtout pas à les reproduire sur vos îles. N'hésitez pas à me taguer, ça me ferait super plaisir si vous reproduisez un petit peu les décorations que je fais sur Felicity. N'hésitez pas à me taguer, ça me ferait très très plaisir de voir vos créations. Et puis voilà, le devant de mon musée prend forme, donc je suis très très contente. C'est un petit peu l'idée que j'avais à cet endroit-là. Je pense que derrière, je ferai une espèce de terrasse en hauteur, comme un petit peu, je sais pas si vous voyez, un petit peu les terrasses à Paris qui sont en hauteur. Et du coup, je pense que derrière le musée, je vais faire une terrasse qui sera en hauteur. Et je pense que le château, je le ferai juste sur la rive d'en face. Ce qui fait que quand je serai sur la terrasse, on verra en fond le château. Et je pense que ça va être incroyable. J'ai eu l'idée l'autre jour, je me disais, mais qu'est-ce que je vais faire dans cette partie-là? Et je me suis dit, pourquoi pas une terrasse en hauteur, ça peut être super sympa, comme sur les toits de Paris. En plus, avec le toit du musée, ça donnera super bien. Et je me suis dit où je pourrais faire le château. Et là, je me suis imaginée dans le coin juste derrière là-bas. Et je pense que ça va être de la dinguerie. Franchement, ça va être de la dinguerie. J'ai trop hâte de mettre en application les idées que j'ai eues parce que je pense que ça va être vraiment très sympa. Là, ce que je suis en train de faire, c'est que j'ai envie de faire comme une petite terrasse à côté du musée, un petit coin, voilà, si on a envie de se poser à côté du musée, puis on peut se poser, voilà. Je suis toute excitée parce que j'ai plein d'idées et voilà, ça me relance énormément sur le jeu. J'avoue que à un moment donné, il n'y a pas si longtemps, avant la mise à jour, je commençais un petit peu, pas à me lasser, mais j'y allais beaucoup moins sur le jeu. Et là, franchement, du fait que j'ai reset, je suis trop contente. J'ai vraiment plein d'idées à vous apporter. Et ça, c'est très cool. Je suis vraiment toute excitée de refaire cette déco. Et c'est pour ça que j'ai envie de... de raser mon île Choco. Voilà, j'ai envie de la raser. J'ai envie de la refaire. J'ai envie de retrouver, en fait, la hype que j'ai là sur cette création de nouvelle île. Voilà, j'ai vraiment envie de retrouver ça. Et parce que là, je l'ai vraiment perdu. J'avoue que quand je vais sur Choco, voilà, je suis un peu lassée, je suis un peu blasée. Alors que quand je vais sur cette île-là, je suis tellement contente en fait. J'ai plein d'idées, il y a plein de choses qui se passent en fait. J'ai envie de changer les habitants, j'ai envie d'avoir des nouveaux habitants, j'ai envie de faire des chasses, j'ai envie de faire de la décoration. Et voilà, et c'est tout ça qui fait que, je suis relancée sur le jeu et c'est super cool. Donc voilà, j'avais cette grande annonce à vous faire et j'espère en tout cas que cette annonce vous plaît. J'espère que vous allez me donner des idées parce que par contre pour le thème, j'avoue être un petit peu paumée. Mais voilà, de toute façon, ça sera pas pour tout de suite. D'abord, je vais vraiment me consacrer à Felicity. J'ai vraiment envie de la terminer de A jusqu'à Z. Et ensuite, je me lancerai à nouveau sur la déco de Choco. Et j'ai vraiment hâte de vous proposer plein de let's play.
Et puis ça donne de la continuité, je trouve, à ma chaîne. Ça donne vraiment, voilà, de la continuité sur le jeu. Et je pense que c'est vraiment très très sympa. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre en même temps que je décore? Je voulais vous dire aussi que je vais sûrement changer la photo de profil de ma chaîne. Donc ne vous étonnez pas si vous voyez à un moment donné que je change, enfin que c'est plus la même photo de profil. J'envisage vraiment de me faire une photo de profil avec une créatrice que je suis sur Instagram et qui fait des choses juste incroyables. Je pense que, à mon avis, je vais lui demander de me faire une jolie photo de profil qui me ressemble, mais vraiment qui me ressemble, parce que celle que j'ai actuellement ne me ressemble pas vraiment. Et donc voilà, j'ai envie de faire quelque chose qui me ressemble beaucoup plus. Et voilà, je vais lui demander aussi de me faire une jolie bannière. Et comme ça, ben, je trouve que ça va être du renouveau aussi pour ma chaîne et ça va être super cool. 2022, je pense, va être quelque chose de cool, en tout cas pour ma chaîne. Et voilà la deuxième annonce que je voulais vous faire. De toute façon, je mettrai, je pense, dans un post communautaire quand j'aurai eu ma photo de profil pour que vous soyez pas surpris de voir une nouvelle photo de profil sur ma chaîne. Comme ça, vous êtes au courant. Voilà, en tout cas, tous les petits projets qui arrivent sur ma chaîne, je voulais vous dire aussi que j'avais pas mal d'idées de vidéos qui vont arriver aussi sur ma chaîne et qui vont être des vidéos plutôt sympas qui, voilà, qui changent, on va dire qui changent sans trop vous spoiler. Donc ça va être des vidéos, je pense, qui vont être vraiment très très sympas à faire. Et voilà, ça va changer un petit peu des let's play, des chasses à l'habitant. Je pense que ça va être très très cool. Et je pense que dans le courant de l'année, je commencerai aussi les lives. Donc là, j'ai commencé à m'acheter un micro et il me manque plus qu'une webcam de qualité parce que j'en ai une mais elle n'est pas de top qualité. Donc du coup je vais en commander une. Je pense que je vais prendre une Riser. Et voilà. Et comme ça on pourra liver ensemble. Et ce sera, je pense, très très cool aussi pour ma chaîne. Et très très cool, voilà, qu'on soit ensemble, qu'on échange. Parce que moi ce que j'aime bien aussi, c'est décorer avec vous. C'est vrai qu'en vidéo, c'est quand même pas pareil. Donc voilà un autre projet qui va arriver sur la chaîne. Donc il y a pas mal de choses qui arrivent, hein. Ce que j'aimerais bien aussi, c'est j'aimerais choper des cartes Amiibo série 5. C'est vrai que on n'en trouve nulle part. J'espère vraiment qu'ils vont en rééditer et qu'on va pouvoir s'en procurer des nouvelles parce que j'aimerais bien faire des ouvertures de la série 5 pour terminer ma collection. J'en suis très très loin au niveau de ma collection. Je pense que j'ai même pas les un tiers. Je dois être à je crois que j'avais compté 24 cartes, il me semble. Donc voilà, j'aimerais bien aussi terminer ma collection de la série 5. J'espère aussi d'ailleurs qu'ils vont pas trop traîner à nous sortir l'album collector parce que j'aimerais bien ranger mes cartes de la série 5 dedans. Et voilà, ça c'est vrai que c'est aussi quelque chose que j'aimerais bien vous proposer sur la chaîne, mais en ce moment c'est compliqué de trouver de la série 5. J'espère vraiment qu'ils vont en rééditer. Et puis c'est vrai que même dans les autres séries, je sais pas pour vous, mais moi j'ai vraiment du mal à trouver des même de la série 1, de la série 2, de la série 3. Il y en a plus nulle part. C'est devenu vraiment quelque chose de rare, on va dire. Déjà dans les magasins où j'habite, il y en a absolument plus nulle part. Là dernièrement, j'ai été à Cultura, j'ai été à la Fnac, j'ai été à Micromania. J'ai été dans tous ces endroits-là et il n'y en a nulle part. Même sur Boulanger, j'ai regardé. Ils sont en rupture sur la série 2, je crois, et la série 3. Il me semble qu'il ne leur reste plus que la série 1. Donc là, ça commence à être vraiment catastrophique. Sur Amazon, bah, ils ont fait flamber les prix. Clairement, hein, on trouve de la série 5 à 12 euros. On trouve les autres séries. Par exemple, je crois que j'ai vu la série 1 à 9 euros. La série 2 à 10 euros. Donc c'est vrai que là, ça commence à être plutôt compliqué, on va dire. Très très compliqué de pouvoir se fournir au niveau des cartes Amiibo. Et pourtant, j'aimerais bien vous proposer vraiment des ouvertures de cartes Amiibo. De toute façon, je pense que je vais continuer assez régulièrement à chercher. Et puis dès que j'en trouverai, eh ben, je vous ferai une belle petite ouverture. Et puis, bien sûr, les séries 5, je désespère pas de pouvoir terminer ma collection de cartes série 5.
Voilà, en tout cas, j'avais trop envie de vous expliquer tout ça et je me suis dit que c'était super cool de faire une petite vidéo comme ça déco où je blablate avec vous. Pas forcément parler de la déco, mais voilà, on blablate, on parle, je vous explique un petit peu les projets de la chaîne. Et sur une vidéo déco, je trouve ça sympathique. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire hein, si ce petit concept nouveau de vidéo vous plaît. C'est-à-dire que voilà, sur une vidéo, ben voilà, je vous raconte un peu ma vie. Je vous explique un petit peu les projets de la chaîne. Est-ce que ça vous plaît aussi ce type de vidéo? Ça peut être aussi des vidéos comme ça, hein, quand je fais de la déco, si ça vous plaît, pourquoi pas. Pareil, n'hésitez vraiment pas à me le dire dans les commentaires. Et puis bah pareil, hein, sur tout ce que j'ai pu vous dire, n'hésitez pas hein, à me dire ce que vous en pensez, n'hésitez pas à échanger avec moi. J'aime vraiment quand vous me laissez des commentaires, j'adore échanger avec vous. Franchement, c'est vraiment mon petit plaisir et c'est vraiment aussi pour ça que j'avais créé une chaîne. C'est parce que j'avais vraiment envie d'échanger avec des membres de la communauté Animal Crossing, donc une belle communauté en plus. Donc voilà. N'hésitez surtout pas aussi, je voulais vous le dire, à me rejoindre sur mes réseaux sociaux. Je les ai mis dans le à propos de ma chaîne YouTube, mais je crois que j'ai pas tout mis. Vous pouvez me retrouver sur TikTok, donc ben Lolotte Crossing, hein, pareil. Vous pouvez me retrouver sur Instagram au même nom, Lolotte Crossing. Vous pouvez me retrouver aussi sur Twitch. J'ai ouvert une chaîne Twitch aussi, donc si vous avez envie de me retrouver, ben voilà, pareil, Lolotte Crossing. Pour l'instant, j'ai mis la photo de profil la même que j'ai sur tous mes réseaux, mais bien évidemment, quand je la changerai, ben de toute façon, je remettrai la même photo de profil de partout, comme ça, vous me retrouvez plus facilement. Et voilà, ben je pense que j'ai un petit peu dit un petit peu tout. Là, je vous montre un petit peu la décoration du port. Parce que je crois que je vous l'avais pas montré terminé. Donc voilà ce que ça donne, la petite décoration du port. J'espère que cette petite décoration vous plaît. Je pense que je vais vous montrer un petit peu la déco. Voilà. Je vais faire un petit récap de la décoration. Voilà, le petit port, la petite entrée de mon île. Là, j'ai fait le magasin Méli Mélo. J'ai fait le petit garage de bateau. Comme je vous avais dit, je ferai un petit garage de bateau avec un petit abri de bus. Je trouve que pour l'instant, en tout cas, ça donne très très bien. Regardez-moi ça, c'est super joli avec le phare juste derrière. Je suis vraiment très très fan de ce que j'ai fait. Voilà, j'ai un petit peu avancé au niveau de ce petit coin-là. Donc, c'est très très cool. N'hésitez pas hein, à me dire hein, ce que vous pensez de ma décoration sur cette île-là pour le moment. Voilà le petit coin aussi que j'ai fait à côté de la boutique Méli-Mélo et sur la plage. Je trouve que c'est sympa comment j'ai fait la plage avec les pins comme ça. Je trouve ça super joli cette petite ambiance. La petite allée aussi que j'ai faite pour mener jusqu'au musée. Je trouve ça plutôt cool. Et puis on voit la mairie sur le côté. Et vous allez voir, la décoration devant la mairie, elle est plutôt très très sympa aussi. Donc voilà, je vous fais un petit récap voilà, de toutes les petites décorations que j'ai fait hors vidéo. Parce que bien évidemment, ben, des fois ça me prend et j'ai envie d'avancer ma décoration. Pas forcément la faire en vidéo, j'ai envie aussi de voilà, faire un petit peu de déco à part. Olivia, elle est magnifique. Je sais pas ce que vous en pensez, mais Olivia, elle est magnifique. J'aime beaucoup aussi la décoration de mon musée. Je trouve que c'est magnifique, ça rend super bien. Je suis très très contente de ce que j'ai fait. Vraiment, pour l'instant, je trouve que je me suis vraiment très très bien débrouillée. J'ai eu énormément d'inspiration sur cette île-là. Donc, je suis trop contente. Donc voilà, le petit coin dont je vous parlais. Le petit coin mairie. Devant la mairie. Donc je me suis dit que j'allais faire une petite ruelle comme ça, avec des petits donjons de chaque côté. Ça fait un peu ville fortifiée. Et j'avais envie ouais, que ce soit un petit peu comme ça, une petite ville fortifiée en fait. Je trouvais sympa au niveau de l'idée. Et bah voilà, on va, je pense, arrêter là sur cette vidéo. N'hésitez surtout pas à vous abonner si vous me découvrez sur cette vidéo. N'hésitez surtout pas à me mettre votre plus beau pouce bleu. Bien évidemment, à commenter, à échanger avec moi sur tout ce que je vous ai dit tout au long de cette vidéo. Et puis, bien évidemment, aussi à partager, parler de ma chaîne autour de vous, enfin, peut-être aux membres de votre famille s'ils aiment Animal Crossing, à vos amis s'ils aiment Animal Crossing, un petit peu voilà, faire du bouche à oreille, ça peut faire connaître ma chaîne et puis voilà, ça peut la lancer.
Bah voilà, je pense que j'ai fait un petit peu le tour. Moi, je vais vous laisser sur cette dernière décoration, en tout cas de musée. On se retrouvera pour la décoration du château. Je vous fais plein de lolas de bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!